Alors, bébé. Ouais. Tu seras de retour pour le déjeuner? Bien sûr que je serai de retour pour le déjeuner. Tu es sûr? Je te promets, je vais tu pas partir. Tu dis toujours ça. Chérie, je vais pas laisser ma femme et mon enfant qui va naître tout seul. Je te promets, je serai de retour pour le déjeuner. Ok? T'en es sûr? Je suis sûr. D'accord, mais si tu es occupé, je comprendrai. Tu sais que je suis une épouse compréhensive. Chérie, je suis le PDG de cette entreprise, d'accord? D'accord. Si je dis que je serai de retour, je serai de retour, ok? T'inquiète. D'accord. Cornelius? PDG. C'est moi, bébé. Cornelius? Cornelius? Tu vois ton frère? Tu le vois en train de dormir, Cornelius? Là? Cornelius? Donne-le-moi. Cornelius! Ouvre le portail, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je te demande pas de venir, mais d'ouvrir ce foutu portail! Dépêche-toi! Le diable était présent, y compris moi et le... Oh, s'il te plaît, la ferme. Trouve un balai et nettoie-moi cette cour. Ok. Allô Ben, t'es où? Oh, t'es dans mon bureau. Non, je viens tout juste de quitter l'aéroport. Ouais, je reviens tout de suite. S'il te plaît, attends-moi. Attends-moi, j'arrive. Salut, Sorette. Cornelius. Oui, Sorette. Tu es reparti dormir? Oui, mais pas intentionnellement. Sorette, sers-moi de la viande et dans ce réfrigérateur, peut-il avoir du jus de coca ou Fanta pour que la nourriture puisse bien descendre? Cornelius. Sorette. Je pense t'avoir demandé de nettoyer la cour. L'as-tu fait? Ok. Oui, tu l'as fait. Oh, tu ne l'as pas fait. Sorette, écoute, quand tu l'as dit, j'étais sur le point de le faire et lorsque j'ai touché le banc, il m'a retenu comme un aimant et j'ai recommencé à dormir. J'ai juste besoin de nourriture pour éliminer le stress. Allez, disparais de ma vue! Sorette, j'ai besoin de cette nourriture pour avoir plus de force pour mon travail. D'accord, le banc t'a attiré comme un aimant. Le banc devrait également attirer le coca et le Fanta jusqu'à toi, dehors. Si bon, oublie la nourriture, donne-moi la viande qui se trouve au-dessus. Cornelius! Ne fais pas que je te retrouve là-bas. Gracie, viens. Mama. J'ai seulement failli oublier. S'il te plaît, ma fille, prends ces arachides, hein? Ok. Et apporte-les chez Mama Joy pour moi. D'accord. Elle les a déjà payées. Ok. Salut-là, très bien pour moi. Dépêche-toi et reviens à la maison à l'heure. Ok. Je t'attends. Quel est ce cri? Tu es censé jouer de la musique et non crier. Il ne crie même pas. Là, tu es une discussion. Je croyais que tu criais. Oh,
tu Sorette. Apporte-moi mon téléphone. Ton téléphone? Mon téléphone. Sorette, s'il te plaît, ne dis pas à ta mère que je suis venu à ta charge. Je te promets pourtant. Apporte mon téléphone. Le bébé est en train d'arriver. Mon téléphone. Dépêche-toi. Le bébé est en train d'arriver. Le bébé est en train d'arriver. Je vais te surprendre. Je vais te surprendre. Où est-ce qu'on met ces deux clés? Voilà. Et puis, quelle est la suite? D'accord. Où est le manuel? Où est le manuel? Il devait nous garder visible pour que Gaïa voilà, je puisse l'utiliser. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Et comment te barrer cette voiture? Hein? Essayons par là. Où ça passe? Où ça gaze? Seigneur, je te remercie. Tu as répondu à ma prière. Cornelius! 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 Sorette! Prends mon téléphone! Sorette! Sorette, tu vas pas me croire. Je n'ai jamais su que moi, Cornelius, je peux démarrer une voiture. Au moment où je te parle, je vais démarrer la voiture. Elle est en rose. Sauf que tu voiture. Laisse-moi t'amener à l'hôpital. De quoi est-ce que tu parles? La voiture. Quelle voiture? Je suis prêt. Je vais te demander de m'apporter mon téléphone. Écoute, je vais faire cette voiture. Si c'est conduire, Cornelius, si c'est conduire, apporte mon téléphone. Doucement, doucement. J'essaie de t'aider. Apporte mon téléphone. J'essaie juste d'aider, ma soeur. Je veux juste t'aider, ma soeur. Je veux juste t'aider, ma soeur. Tiens, le voilà. Dieu, c'est la lune. Que dois-je faire? Donne mon téléphone. Donne mon téléphone. Allô, chérie? Mike, où es-tu? Où es-tu? Oh mon Dieu, où es-tu? Je ne sais pas, du sang, du sang, du sang, beaucoup de sang. Docteur, docteur, s'il vous plaît, dites-moi qu'elle ira bien. Bien sûr qu'elle ira bien. Vous l'avez amenée à temps. Et la transfusion sanguine était un succès. Ok. Elle a juste besoin de se reposer. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour quoi que ce soit. Elle ira bien. Ok, merci infiniment, docteur. Merci. Elle aura juste besoin de certains médicaments à son réveil. Ok, ok. Docteur, peu importe. Combien ça va coûter ces frais médicaux, je vais m'en charger. S'il vous plaît, prenez juste soin d'elle pour moi. C'est d'accord. Merci, docteur. Mais vous allez devoir informer ses parents pour leur faire savoir qu'elle va bien. Oh, docteur, faites aussi ça pour moi, s'il vous plaît. Écoutez, docteur, je dois me dépêcher, je suis très pressé. Ma femme a eu un petit accident à la maison, je dois y aller pour être auprès d'elle, s'il vous plaît. Oh, désolé voilà. Pour ça. Je vais déposer de l'argent chez votre comptable, peu importe ce que ça va coûter, prenez juste soin d'elle. Je serai de retour, d'accord? Ok. Arrête. Arrête de pleurer. Hein? Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'une... telle chose m'arrive. Ah. Prends-le avec elle. Ressaisis-toi juste. Dieu a une raison pour toute chose. Quelle raison? Dieu aurait probablement pour m'avoir privé de quelque chose d'aussi cher. J'ai prié et j'ai pleuré pour cette grossesse. Et j'ai rêvé du jour où j'allais tenir mon bébé. Maintenant ça,
Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'aurais voulu savoir. Je ne sais même plus quoi penser. Si seulement je savais, ressaisis-toi, c'est tout. Ah, Seigneur. Ça aurait pu être pire que ça, tu sais. Ça aurait pu être pire. Rends juste gloire à Dieu, parce que je ne sais pas quoi te dire. Hein? Je suis vraiment désolée. Où est Mike? Je sais pas. Mon cousin, le portier, est celui qui m'a conduit ici. Va-t'en! Que veux-tu d'arriver? Ce qui est arrivé, je suis venue louer une chambre pour notre pique-nique. Question stupide, va-t'en! Chérie, écoute. Ne me touche pas! Non, écoute, attends, je ne peux t'expliquer. Je te le jure, j'étais sur le chemin. Ne me touche pas! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu vas expliquer? S'il te plaît, parle-lui, bébé. Mike, elle ne pense pas. Va-t'en! Il faudra repasser après. Écoute, reviens plus tard pour t'expliquer, pas maintenant. S'il te plaît. Chérie, écoute, s'il te plaît, écoute-moi, je peux tout t'expliquer. Ne me touche pas. Mike, s'il te plaît, laisse-la. S'il te plaît, je peux t'expliquer. Va-t'en, s'il te plaît, laisse-la. Si seulement tu savais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Oh, Seigneur, aide-moi. S'il te plaît, Mike, elle n'a pas envie de t'écouter et elle est encore sur le chemin. Bébé, je te le jure, c'est pas de ma faute. Mike, arrête. Arrête, tu la verras après, s'il te plaît. Tu la fais encore plus souffrir. Est-ce qu'elle est stable? Je suis mentalement instable. Bébé. Bébé, s'il te plaît, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. De quoi exactement? Nous ne pouvons pas continuer ici. Je t'en prie. De quoi exactement es-tu désolé? Est-ce pour avoir lâchement fui tes responsabilités? Ou pour avoir négligé mon appel de détresse? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu peux bien être désolé. Mais pour quelle raison fais-je négliger ton appel? Pourquoi? Ce que j'essaye de t'expliquer depuis un bon moment, c'est que je... Expliquer? Quelle bêtise veux-tu me faire avaler? Bébé... J'espère que tu es heureux. Que j'ai perdu le bébé. C'est bon. Au moins, ta famille va me laisser respirer. Parce qu'il est clair que je n'ai aucun problème. Mais bébé, attends. Ne me touche pas. Attends. Pourquoi je serais heureux quand on ait perdu le bébé? Pourquoi serais-je heureux? Nous avons prié pendant 3 ans après notre mariage. Et maintenant, Dieu nous a finalement bénis avec cette grossesse. Et tu nous as laissé la perte de cette façon. J'ai pas laissé qu'on le perde. Alors, que s'est-il passé? J'ai pris la route. Que s'est-il passé? J'ai pris la route. Le docteur a dit que si tu étais venu à temps, tout se serait bien passé. Je n'aurais pas perdu le bébé. Alors, qu'est-ce que tu me... Mais c'est ce que j'essaye de t'expliquer. J'ai pris la route aussitôt que tu as appelé. Mais sur le chemin... Sur le chemin, j'ai renversé un piéton. J'ai renversé une petite fille. J'ai renversé une petite fille qui marchait le long renversé de la route. Renversé? Genre, renversé? Attends. Que s'est-il passé? La personne est morte? Non, elle n'est pas morte. Heureusement, le docteur a dit qu'elle réagit au traitement. Docteur, hôpital! J'ai renversé la fille et je ne pouvais pas abandonner la pauvre fille allongée là. Je l'ai conduite à l'hôpital et j'ai dit au docteur de prendre soin d'elle. Je ne savais pas que j'étais en train de sacrifier la vie de notre bébé pour la sauver. Non. Je ne savais pas. Pourquoi ne m'as-tu rien dit pendant tout ce temps? C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer. Je suis tellement désolée. Je te pardonne, bébé. Je suis désolée d'avoir été excessive. Je suis désolée. Dieu nous a donné. Dieu nous a donné celui-ci. Et il nous donnera encore un autre, ok? Ok. D'accord? Amen. Je suis désolée. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Le docteur qui a traité ma fille a dit que le monsieur qui l'a renversé a payé tous les frais et a promis de revenir. Je suis content que vous ayez tenu votre promesse. Ma, c'est le mieux que je puisse faire. Je veux dire, le fait d'avoir mis votre fille dans cette situation, je suis vraiment désolé pour ça. C'était très imprudent de ma part. Voici mon épouse, Lovette. Ma fille, comment vas-tu? Je vais bien.
Nous remercions Dieu pour sa vie sauve. J'ai cru qu'elle était morte quand le docteur m'a appelé. Grace est mon unique enfant. Et elle s'y a heureux. Depuis que son père nous a quittés. Maman, c'est bon. Nous sommes sincèrement désolés, maman. Nous sommes sincèrement désolés pour tout ce qui est arrivé. Merci infiniment, ma fille. En fait, je suis très heureuse que le docteur ait dit qu'elle pourra remarcher. Oh, maman, c'était un grand miracle. Et nous remercions Dieu pour cela. Ma chère, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave. D'accord. Je promets de prendre soin de toi de toutes les manières possibles. Vous avez déjà assez fait. C'est parce que vous êtes une bonne personne. Vous auriez pu l'abandonner après l'accident. Mmh. Dieu merci que vous ayez une conscience. Il n'aurait pas fait cela. En fait, il était en route pour l'hôpital. Pour sauver ma vie et celle de mon bébé, mais le pire est arrivé, mais tout va bien. Oh mon Dieu, j'espère que tout va bien. Oui, je vais bien. Le bébé n'a pas survécu, mais Dieu est miséricorde. Tout va bien, maman. Je suis désolée, ma fille. Je suis vraiment, vraiment désolée. Dieu vous donnera certainement à vous et à votre époux un autre enfant. Amen. Ma chère, tu iras bien, ok? S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, s'il vous plaît, maman, je t'en prie, n'hésite surtout pas de me le faire savoir. N'hésitez pas. Non, vous avez déjà assez fait. Merci vraiment pour tout. Hey! Cornelius, tu as des oreilles, mais tu n'entends pas. Oui. Maintenant, Cornelius, réponds à cette simple question. Pour combien de temps vas-tu continuer de vivre ainsi, Cornelius? Pour combien de temps continueras-tu de vivre ainsi? Ici, c'est la maison de ta sœur, ta propre sœur, de sang et non d'ailleurs. Pourtant, tu es toujours traité comme un simple esclave. Laisse-moi te demander, es-tu certain que ta sœur ne va pas rejoindre son mari pour te taper, Cornelius, dans cette maison? Imagine, regarde cet homme. Regarde cet homme à qui j'ai fait une faveur. Je lui ai fait une faveur. En lui donnant mon unique sœur que j'aime pour qu'il épouse. Regarde comment il me remercie. En faisant de moi, Cornelius, un moins que rien. Se foutant de ma personne. Cornelius, laisse que cela continue de t'arriver. Hein? Imagine le genre de course que j'ai fait pour eux ce matin. Par contre, s'il t'avait donné l'opportunité d'utiliser n'importe quelle voiture, ça aurait été plus facile pour toi. Bah, comment ma soeur réagit? Hein? Peut-être que ma soeur pense que comme elle ne m'a jamais vu conduire une voiture, c'est pour cela qu'elle ne veut pas me donner une opportunité. Mais à compter d'aujourd'hui, je vais commencer à la surprendre. Et surprendre aussi mon beau-frère. Je vais la surprendre que moi, Cornelius, je vaux mieux plus que ce qu'elle pense que moi je suis. Je vais par là. Attends mes pleurs.
Sorette. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-moi te dire toute la vérité. À quoi est-ce que tu pensais? En appuyant la voiture que mon mari vient de m'acheter. Hein? Je suis vraiment désolée. Tu es vraiment désolée. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas sortir cette voiture et tu vas la réparer. Et tu vas réparer toutes celles qui sont en panne. Parce que présentement, tout ce que je vois, c'est quelqu'un de stupide devant moi. Hey, Sorette, moi. Ah oui, toi. Tu veux que je répare la voiture? Oh non, Sorette, rappelle-toi que je suis ton cousin. Tu es mon cousin. Écoute, comment tu parles à ton cousin? Et rappelle-toi que je suis plus vieux que toi. Hey. Ok, ok. Est-ce que tu sais que la seule raison pour laquelle j'ai cette conversation avec toi, c'est parce que je suis de mon sang? Sinon, tu seras en train de moisir en prison. Merci. Oui. Merci, Sorette, s'il te plaît. Si tu hurles comme ça, qu'est-ce que ton mari va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? A-t-il fait quelque chose de mal en te laissant vivre chez lui? Mbah. C'est le cas? Mbah. Alors, pourquoi le traites-tu ainsi? Je suis sûr que ce sont mes ennemis qui sont derrière ça. Tes ennemis vont te tuer. Parce que tu vas dormir dehors. Moi? Tu m'as saisi? Hey, s'il te plaît, s'il te plaît. Si tu ne répares pas cette voiture, je vais te faire arrêter. Hey! Wow, doux, Jésus! S'il te plaît, oh! S'il te plaît, où vais-je? Où est-ce que tu es en train de m'envoyer? Je ne connais personne dans cette ville. Où vais-je aller? Vers qui vais-je me retourner, Sorette? Sorette, s'il te plaît. C'est plus de ma part, ça ne va plus. Si ça arrive encore, tu te rappelles quand nous étions enfants? Je te donnais souvent la tête, les pâtes du poulet, les biscuits et même les bonbons, Sorette. Fais ça pour moi, supplie-le. Supplier qui? Ton mari. Si je le supplie, qui va me supplier? Moi, je vais te supplier. Dans ce cas, je ne dois supplier. Je le fais, je te supplie. Ah, je ne dois supplier. Je te supplie. Même si tu suppliais, je t'en veux de tes jours, je ne t'écouterai pas. S'il te plaît. Tu m'as entendu? Okay. Laisse-moi me coucher. Si tu veux, laisse-moi, laisse-moi me coucher. Si tu veux, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh mon Dieu, qui m'a dit d'entrer dans cette voiture? Qui m'a dit d'entrer dans cette voiture? Cornelius, Cornelius, tu es un homme stupide. Cornelius, tu es un vrai fou! Hey! Hey! Que pensais-tu qui t'a fait entrer dans cette voiture? Es-tu un fou? Si je te traite de fou, que vas-tu dire? Cornelius, tu es vraiment stupide! Si tu perds cette opportunité, où vas-tu trouver un autre travail maintenant, hein? Hey! Jésus, oh! Allez, roule! Allez, Cornelius, roule, roule! Couche-toi et commence à rouler! Roule, roule! Hey! Commence à rouler! Maman, bienvenue. Merci, ma fille. Comment vas-tu? Je vais bien. Ah, j'ai rapporté du pain pour toi. Maman, merci, mais je n'en veux pas. Mais je l'ai acheté à la boulangerie, là où tu insistes souvent qu'ils font les meilleurs pains. Merci, mais je n'en veux pas. Grâce. Je ne te comprends plus vraiment. Depuis que tu es revenue de l'hôpital, tu as l'air si triste. Hein? Pourquoi? Maman, je ne suis pas d'accord avec ta décision. J'ai refusé quand il m'a dit qu'il a perdu son enfant. Il aurait sauvé la vie de son bébé s'il t'avait laissé allonger là. Il ne l'a pas fait. Maman, c'est sa responsabilité de prendre soin de moi. Il l'a proposé d'aider. Tu as accepté, la minute d'après, tu as refusé. Grace, j'ai dû refuser parce que sa femme m'a dit qu'elle a perdu le bébé. Oh, ça n'aurait pas été honnête. Et ça aurait été très égoïste. De notre part, t'as accepté une aide venant d'eux après ce qu'ils ont vécu, hein? Maman, n'avons-nous pas assez souffert? Nous n'avons fait que nous battre depuis que papa nous a quittés. Un messie vient pour nous aider, toi tu refuses. Ici? Mais qui est le messie? Qui est donc le messie? Je redemande encore, qui est le messie? Écoute-moi très bien. Dieu trouvera un moyen pour ses enfants. Oh, Lovette, tu n'aurais pas dû, vu tes dix qui mangeaient avant. Ce n'est pas de la nourriture. Oh, merci. Tu es très jolie. Merci. Je fais de mon mieux. Tu es rayonnante. Je suis très flattée. Tu n'es pas mal non plus. Quoi de neuf? Comment tu vas? Ma chère, bien. Nous remercions le ciel. Dieu est miséricorde. Bien sûr qu'il est.
Je peux l'affirmer. Par contre, tu as pris quelques kilos. Vraiment? Bien sûr que oui. Ma chère, qu'est-ce que tu espérais? Je ne fais rien. Je suis dans cette maison. Je ne vais nulle part. C'est très fatigant. Je dois l'avouer. Honnêtement, Lovette, je ne comprends toujours pas comment une titulaire d'un diplôme haut gradé en banque et finance passe toutes ses journées assises à la maison en ne faisant absolument rien. Pourquoi tu t'es dérangée à suivre ce cours? Tu aurais pu tout simplement apprendre l'art d'être une femme au foyer au lieu d'avoir fourni tous ses efforts pour venir rester à la maison. Ça n'a pas de sens. Juste au nom du mariage, ça me brise le cœur. Ne dis pas ça. Mon mari pense que je devrais d'abord faire des enfants, du genre finir d'accoucher, ensuite je pourrais travailler. Encore de nos jours? Ça, c'est une vieille mentalité. Tu dois te réveiller, ma chérie. Nous sommes au 21e siècle. Tu es futée, tu es jeune et tu es intelligente. Le monde a besoin de toi. Tu ne peux pas rester là à gaspiller ça juste. Je ne sais pas. C'est triste. Tu dois sortir et faire quelque chose. Je le ferai. Quand le feras-tu? Quand exactement? Jusqu'à ce que tu sois vieille et que tes os soient tous fragiles et que ton cerveau ne soit plus en mesure de travailler en ce moment-là? C'est le moment de réagir, Lovette. Je ne comprends pas, nous sommes au 21e siècle. Tu dois te ressaisir et aller dehors. Tu es futée, intelligente, jeune. Je crois que c'est le bon moment de le faire. Arrête. Juste arrête. Arrête de parler comme si j'étais paresseuse. Tu vas finir par être paresseuse si tu ne fais rien à partir d'aujourd'hui. Où penses-tu que je veux en venir? Mais ressaisis-toi et fais quelque chose. Je le dis parce que tu comptes pour moi. Je t'ai entendu. Merci beaucoup pour tes conseils. Je ne refuse pas que ton mari est riche et qu'il peut tout te donner. Mais tu dois gagner ton propre argent. Rien n'est aussi bien que ça. Tu peux le faire. Trouve-toi ta propre activité. Je t'ai entendu. Ça suffit maintenant. En passant, une amie m'a parlé d'un recrutement dans une banque. Je ne connais pas de quelle banque il s'agit, mais je vais me renseigner et je t'informerai. D'accord, je vais en parler à mon mari. Vraiment? Oui. Lovette, vraiment? Quoi? Tu ne parleras pas de ça à ton mari. Je crois que tu devrais d'abord postuler avant de lui dire pour qu'il ne te décourage pas. Ok. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Et si je postule et qu'on me recrute et qu'il dit non? Étape par étape, on verra comment faire à ce niveau. D'accord. Je t'en prie. C'est juste une idée. Juste une proposition. Quelles sont les nouvelles? Que se passe-t-il? Je te retourne la question. Je suis celle qui l'aime. Bébé? Je pensais que tu étais dehors. J'étais en train de te chercher partout. Ouais, pourquoi mais... tu es ici? Je pensais que tu étais dehors. Ouais, j'y étais, mais il m'a semblé qu'il voulait pleuvoir, alors je suis venue ici. Ok. Cette façon de sourire et tu me masses les pieds. Veux-tu m'annoncer une bonne nouvelle? Oui. Je t'en prie, vas-y, je t'écoute. J'ai trouvé un travail. Dans une banque. Hein? Oui. Il y a quelques jours, j'ai postulé pour... J'ai juste déposé mon dossier. Ensuite, j'ai reçu un email me demandant de me présenter, que j'avais été recrutée. En fait, de me présenter pour la... Je pensais que nous nous étions mis d'accord. Bébé, je ne peux pas continuer à rester à la maison. Oui, mais nous avons convenu que ce ne sera pas long. Ce n'est pas là le problème. Bébé, je... Regarde-moi, quand nous sommes mariés, je faisais du 38. Maintenant, je fais du 42. Peut-être 40, mais... Bébé, j'en ai marre. Je ne peux plus rester à la maison. C'est tellement ennuyant. C'est tellement... Je perds la tête à chérie, en fait. Chérie, pourquoi veux-tu travailler? C'est pour de l'argent. Je suis le propriétaire des principales entreprises de fabrication du plastique dans cette ville. Que veux-tu que je ne peux pas te donner? Chérie, ce n'est pas à cause de l'argent. Je suis une diplômée. J'aime être occupée, j'aime travailler. Chérie, je ne vois pas balancer tout cela à la poubelle et ne rien faire et juste être une femme au foyer. Mike, je t'en prie, pense-y. Je ne comprends tout simplement pas. Je comprends pas qui t'a mis ces idées dans la tête.
parce que nous en avions déjà parlé et nous nous étions mis d'accord. Et maintenant, tu veux contredire tout ce que nous avons établi. Pas du tout. Je sais que tu n'aimes pas l'idée que je travaille pour quelqu'un. Bébé, c'est juste une norme. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'asseoir dans son coin et compter l'argent des gens. Tu sais quoi, ensuite... je m'en vais. Ça me sera tout simplement Mike, pas possible. Mike, s'il te plaît. Mike. Où est Grace? Elle est sortie pour son activité de crochet. Ah ah! Activité de crochet? Elle n'a plus besoin de cela. Ma fille, ne dites pas ça. C'est avec ça qu'elle survit. Vu que mon commerce d'arachide ne rapporte pas grand-chose, non seulement pour la nourrir et prendre soin d'elle. Je comprends. Mais comme je l'ai dit, elle n'aura plus besoin de cela. Je suis venue ici pour Grace. Ma fille, nous avons déjà parlé de tout ceci avant. Vous avez perdu votre bébé pendant que votre époux sauvait la vie de ma fille. Maman, ce n'est rien. Vous savez, vous ne nous devez rien du tout. Je sais, mais maman, je vous aime bien. Qu'est-ce que je fais? Maman, je veux aider Grace. S'il vous plaît, permettez-le-moi. C'est d'accord. Qu'est-ce que vous avez donc pour elle? Je veux que... Oh, en parlant du loup. Maman. Oui, mon enfant. Bon après-midi. Bienvenue, ma fille. Comment bien, tantine. Bon après-midi. Ah. On parlait justement de toi et tu es arrivée. Je vois que tu vas mieux maintenant. Oui, tantine, je vais bien. C'est bien, je suis contente. Remercions le ciel. Eh bien, vous m'avez demandé quels sont mes plans pour elle. Exact. Je veux qu'elle vienne rester avec moi. Et vivre avec ma famille en tant que ménagère. Mais je promets de prendre soin de son éducation et de tout le reste. Quoi? Grâce? Oui, si elle le veut. Maman, tantine, merci infiniment. Merci beaucoup, j'aimerais vivre avec vous. C'est bon. Maman, eh bien, je veux vraiment... tu sais quoi? Va à la voiture, hein? Ouvre la malle, apporte les choses qui sont à l'intérieur. J'ai apporté certaines choses pour toi, ma fille. D'accord. Après tout ce que tu as pu traverser jusqu'ici, tu te déranges encore pour nous apporter des cadeaux. Tu es ma mère. Dieu te le rendra. Amen. Ma fille, s'il te plaît, aide-moi à la redresser. Ce n'est pas un problème. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Grâce. Maman. Pensais-tu vraiment tout ce que tu as dit à Madame Lovett quand elle nous a rendu visite? Maman, je ne comprends pas. Veux-tu que je meure de solitude? Comment peux-tu préférer abandonner ta vieille mère pour aller vivre avec elle? Maman, je ne t'abandonne pas. Maman, c'est une opportunité en or pour que je sois enfin diplômée. Ne veux-tu pas que je sois diplômée? Je veux le meilleur pour ma fille. Je veux que tu sois diplômée. Hein? Mais n'oublie pas que depuis que j'ai perdu ton père, tu es devenue ma seule raison de vivre, vraiment. Comment peux-tu m'abandonner aussi seule ici, ma fille? Maman, pourquoi parles-tu ainsi? Je viendrai te rendre visite de temps à autre. Oh! Ça, c'est une bonne opportunité, oh! Ok, d'accord. Quand est-ce que tu pars? Demain. Demain? Ne peux-tu pas attendre le week-end? Maman, pourquoi tu fais comme si je partais pour toujours? Je viendrai te rendre visite. Maman, arrête de pleurer, non. Grâce, ce n'est pas juste que tu... Maman, j'ai faim. Que veux-tu manger? Thank you.
Bébé. Je suis désolée. Bébé, je suis désolée. Tu sais, chérie, on avait trop de travail et je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Il y avait tellement de clients à la banque et plein d'autres choses à faire. En plus de ça, les embouteillages. C'est ta décision, je la respecte, mais honnêtement, je comprends pas pourquoi tu veux subir tout ce stress. J'en vois pas l'intérêt. Bébé, c'est juste pour un an. As-tu mangé quelque chose? Non, et j'ai faim. Cornelius! Sorette? As-tu mangé quelque chose? Oui, oui, Sorette, oui, je me suis acheté du pain et de l'eau pure. Je m'habitue à la nouvelle condition. Bébé, je vais rapidement te faire quelque chose à manger. Le matin et un le soir. Vraiment? Oui. Merci, ma fille. Je t'apporte de l'eau pour que tu les prennes, hein? Non, non, non. Attends un instant. Attendre quoi, maman? Oh, attends un peu. Je veux d'abord me reposer. Un instant avant de prendre les médicaments. Maman, hier tu voulais te reposer. Aujourd'hui encore tu veux te reposer. Mais tu t'es déjà assez reposée, non? Grâce. Pourquoi tu me parles ainsi? As-tu oublié que je suis ta mère? Qu'est-ce que c'est, hein? Maman, si c'est ton plan pour que je n'aille pas chez Tantine Lovette demain, ça ne marchera pas. J'irai là-bas demain matin. Ah ah. Demain matin. Vas-tu laisser ta pauvre mère malade ainsi? Maman. Hein? Ne peux-tu pas attendre que je me rétablisse avant que tu ne partes? Maman, moi je pars d'ici demain. Demain. Ah ah. Demain matin. Oui. Tu peux toujours aller là-bas en soirée. Leur maison n'est pas loin d'ici. Hein? Maman, laisse-moi t'apporter de l'eau. Bien. Tu veux abandonner ta maman toute seule dans cette maison. Ok. Tu penses que je peux pas rester seule ici? Hein? Ah, c'est très bien. Laisse-moi seule dans la maison. Ah, tu penses que je ne peux pas vivre seule? Oh. Maman, tiens. Tiens. Voilà. Ma fille. Maman. Quand tu vas arriver au domicile de ta tante, s'il te plaît, travaille dur et sois obéissante, hein? J'ai vécu avec des gens. Ah, certains d'entre eux sont très difficiles. Surtout ceux que tu ne connais pas. Je t'en prie, sois respectueuse et travaille très dur pour eux. As-tu compris, maman? Oui, maman, j'ai compris. Salut. Bon après-midi. Bon après-midi. Qui cherches-tu? Je cherche Tantine Lovette, la propriétaire de la maison. Ah, Lovette. Ah, j'ai cru entendre propriétaire de cette maison. Si tu veux savoir à qui appartient cette maison, ou qui en est son propriétaire, dans ce cas, regarde-moi. Est-ce que je ne ressemble pas aux différents propriétaires de cette maison? Non, tu ressembles au gardien. Moi? Pourquoi essaies-tu de m'insulter? Que veux-tu dire? Vu ta façon de parler, on comprend que c'est toi le gardien de cette maison. Ah. N'entrons pas dans ce sujet. Tu as dit que tu cherches ma sœur, Lovette? Oui. Quel est ton nom? Qui es-tu? Je m'appelle Grace. Tu es originaire d'où? D'où est-ce que tu viens? De quel gouvernement local? Je ne sais pas de quel gouvernement local, mais je viens de là-bas. Alors, qui est le président de ce gouvernement local? Ou le secrétaire? Ce gouvernement local se trouve dans quel état? Je veux juste savoir, je suis en train de relever tes données maintenant. Ok, tu es catholique ou musulmane? Je suis catholique. Ok, de quel diocèse? Et qui est le pape? Le pape, c'est...
tantine, bon après-midi. Que se passe-t-il ici? Serais-toi la bienvenue. Pourquoi la gardes-tu dehors? En fait, elle a dit qu'elle te cherchait. Tu sais, n'importe quelle femme ou n'importe quelle jeune fille peut se réveiller un matin et décider de, tu sais, se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Donc, Lou, tu la vois là, je suis en train de relever ces données, toutes ces données, pour me rassurer que c'est vraiment toi qu'elle cherche. C'est bon, c'est bon. C'est mon invité. Ouvre le portail. Oh, ok, ton invité. Ok, merci beaucoup. Je dois ouvrir le portail pour toi ou pour elle? Merci, tantine. Bébé, bonjour. Bonjour. Pourquoi tu prends ton bain aussitôt? J'ai cru que nous étions samedi. Oh, Seigneur, j'ai oublié de t'en parler. Nous avons une RMR aujourd'hui au bureau. C'est quoi ça? Notre rapport mensuel sur le rendement. Mais tu n'es pas censé aller au travail le samedi? C'est juste de l'esclavage. J'espérais passer du bon temps avec toi. Bébé, ce n'est pas du travail. C'est quelque chose pour laquelle tous les employés de la compagnie doivent absolument être présents. Parce que c'est le seul moyen avec lequel ils peuvent savoir si nous nous en sortons ou pas. C'est tout simplement de l'esclavage, ça. Une femme mariée décide d'aller au travail le samedi et ne passe pas du temps je avec son mari. Je ne m'en vais pas pour travailler, chérie. Je serai très vite de retour. J'ai déjà préparé ta nourriture. Bébé, je te promets qu'on va sortir après. Hein? Mike, je suis désolée. Ouais, tout va bien. Alors, Mapis, dis-moi, comment trouves-tu ton nouveau travail? Ma chère, c'est vraiment stressant. C'est un gros challenge. Exactement ce que je voulais que tu expérimentes. Ouais, le stress te fera donner le meilleur de toi et le challenge sortira le génie en toi. Je sais que tu peux le faire, ma chérie. Émilie, tu es vraiment mon sauveur. Merci. Depuis que j'ai commencé ce travail, il y a cette façon de me sentir. Je me sens revivre. Je sens que je sers à quelque chose. Je me sens énergétique, heureuse. Exactement. Heureuse est le mot, oui. Je te l'avais bien dit, tu vois. Je suis très heureuse pour toi. Alors, comment est-ce que ton mari l'a pris? Ce n'était pas facile. Nous nous sommes querellés, bagarrés et même disputés. Mais à la fin, il a laissé tomber. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi je voulais travailler pour quelqu'un alors qu'il peut me donner tout ce dont j'ai besoin. Je sais, mais il aurait pu monter une affaire pour toi. Eh bien, il l'a proposé. Mais j'ai refusé. Je ne veux pas avoir une affaire. Je veux travailler. Tu sais au moins ce que j'ai appris à l'école. Oui, ça a du sens. Mais il était d'accord avec ça? Eh bien, il a posé une condition. J'ai juste la permission de travailler pour 1 an. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais rester à la maison ou monter une affaire. Ça dépendra de moi. Une affaire, c'est bien. Du moment où tu le fais après 1 an, c'est bon. Ok. C'est bien, c'est bien. Je suis très excitée. Ok, ça a un sens. Donc alors, comment tu t'adaptes à ta nouvelle vie? C'est cool. Je rencontre plein de gens. Ma chère, certains clients sont insupportables. Je pensais que mon frère, Cornelius, était insupportable. Certains clients sont pires. Tu vois des hommes se comporter comme des enfants. Oh ah non, laisse ces histoires de clients. En passant, y a-t-il pas de mécanons dans cette banque? Je veux dire, il devrait y avoir de sexy banquiers. Ta sœur veut se mettre en couple. Quoi? Chérie, ta sœur veut être... Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Ferme ta bouche. Entrez! Entrez! Cornelius. Ah, Cornelius. J'étais sur le point de venir te voir. Viens, viens. Ah, assieds-toi, non. Ah. Cornelius, tu sais que tu me plais, non? Hein? Grâce, hein? C'est vraiment toi? Oui. C'est toi qui me plais. Suis-je en train de rêver? Cornelius. Cornelius. Mon Dieu. Bon garçon. Hey,
Cornelius. Cornelius. Allez, viens par là. Dis-moi que ce n'est pas un rêve. Dis-moi que je ne suis pas en train de rêver. Cornelius. Vas-y, bébé, fais-le bien. Mais faire quoi, non? C'est crasse. Viens là, bébé. Viens. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, non? Donc, c'est un rêve. Grâce, je suis désolé. J'étais en plein rêve délicieux. Rêve romantique. Quand tu m'as réveillé, en fait, tu jouais le rôle principal. J'étais en plein rêve romantique. Cornelius! Cornelius! Le patron a demandé que tu apportes ses vêtements au pressing. Quel pressing? Tu ne connais plus le pressing du patron. Va à celui des nouveaux. Je vais prendre la voiture ou bien le tricycle. Non, aucun des deux. Prends l'avion. Moins que rien. C'est moi. Cornelius, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rien du tout. C'est que... Qu'est-ce que tu veux? C'est juste que nous devons un peu nous amuser. Écoute, je suis fou amoureux de toi. Tu es amoureux de moi? Exactement. Fais pas en sorte que je te poignarde. Moi? Grâce, ça serait même mieux que je sois écrit dans l'histoire. Disons que toi, Grâce, tu m'as tué. Je te dis la vérité. Écoute. Tout ce que je veux de toi, c'est juste une minute de... un baiser de ta part. Hein? Tu veux que je t'embrasse? Oui. Cornelius, je ressemble à une prostituée pour toi. Si je dois embrasser quelqu'un, c'est quelqu'un comme toi que je vais embrasser. Hein? Quel est le souci avec moi? Parce que tu es un porc. Une vieille racaille. Un porc. Attends un instant. Grâce, juste à cause de ce simple baiser que je te demande. C'est pour cette raison que tu te permets de me donner tout ce charme, non? Oui, tu es un malade de l'Ebola. Tu es un porc. Si, je suis un porc. Mm. Tu es une chouette. Tu es une chouette. Cornelius, ne fais pas que je t'étrangle. Ne fais pas que je te poignarde. Juste quand, si tu m'étrangles, je vais te têter. Tu vas me têter. Oui. Je vais t'étrangler. Je vais en finir avec toi, Cornelius. Je vais botter ton derrière. Tu... Viens, je t'attends. Hey! Où vas-tu? Attends-moi. Hein? Cornelius! Cornelius, viens ici! Bébé! Cornelius! Mike! Et Lovette, reste en dehors de ça! Reste en dehors de ça! Et toi, viens par ici! Cornelius, j'ai reçu une plainte venant de cette jeune fille et j'ai attendu jusqu'à ce matin. Comment oses-tu? Patron, ce n'est pas exactement... Tu l'as fermé. Je parle et tu racontes des bêtises. Ferme-la. Lovette, où as-tu trouvé cet animal aussi insensé? Oui, insensé. Parce que jusqu'à présent, j'ai même les maux de tête, monsieur. Très violents maux de tête. Tu as des maux de tête? Exactement, de très violents maux de tête, monsieur. Tu sais quoi? Je suis fatigué de tout ceci. Je suis fatigué de tout ceci. Comment peux-tu agresser sexuellement cette jeune fille? Agresser sexuellement? Patron, ce n'est... Patron, ce n'est vraiment pas ce que... Écoutez, patron, ferme-la! J'essaye de m'expliquer. Peux-tu juste te taire, t'excuser? Oh, des excuses? Ah, mais il fallait tout simplement le dire, non? Désolé, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur. Vraiment, désolé, monsieur. D'accord? Tenez le balai, je me couche. Enlève tes sales pattes sur moi. Tu sais quoi? En fait, tu es renvoyé. Sérieusement? Patron, à cause de cette petite erreur. Patron, trouvez autre chose pour me faire sentir, au lieu de me renvoyer. Si vous me renvoyez maintenant, où vais-je aller? Quel autre travail pensez-vous que je pourrais trouver? Ai-je l'air de me soucier de savoir où tu iras ou comment tu feras? Hein? Cornelius, ai-je l'air de me soucier?
Vu que tu n'as pas de respect envers cette fille, tu quittes ma maison. Tu quittes ma maison. Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Hein? Bébé, prends le calme et donne-lui une seconde chance. Oui, même ce film. Ah, si le patron n'a pas encore regardé, fais qu'il le regarde. Ce film a beaucoup de chance. Hein? Donnez-moi une seconde chance et je vous promets, ça n'arrivera plus jamais. Je vous assure. Tu l'as fermé? Tu connais ma famille. Je m'en fiche de ce que ta famille dira. Je m'en fiche de ce qu'ils diront. Écoute-moi très bien. C'est ton dernier avertissement. Si tu essayes, si tu oses encore, en fait, ne pose plus tes yeux sur elle. Si je reçois encore une seule plainte, tu quittes ma maison. Patron, ici même. C'est ici même que je confesse. Patron, hey! Donne-moi une seconde chance. Si, en fait, je ne veux plus jamais te décevoir. Et dans le cas, j'essaie de te désobéir. Remplace-moi par mon jeune frère, Liam. Et dans ce cas, tu verras l'enfer. Ah! Moi! T'en es? Hé hé! Désobéis encore le patron. Et toi, viens là. Je pensais avoir déjà réglé ce problème. Alors, pourquoi es-tu encore allé le dire à mon mari? Je suis désolée, ma. Désolée. Pourquoi es-tu désolée exactement? Sorette. Bah, tu l'as fermé. Et toi, disparais. Ne disparais même pas. Viens par ici. Cornelius, je t'ai demandé de la fermer. Tu es stupide comme personne. Que veux-tu dire par André William? Pour faire quoi? Qu'il voit l'enfer. Laisse expérimenter le pire et qu'il voit l'enfer. Quel est le problème? Je cherche une clé USB avec laquelle je suis rentré à la maison hier. Êtes-vous sûr d'être revenu avec ça hier? Je l'ai fait, j'ai mis à jour les dossiers qui y étaient après avoir travaillé dessus. Avez-vous regardé dans votre chambre? J'ai cherché dans la chambre, j'ai cherché dans la manette, j'ai cherché partout. Je vais vérifier dans la voiture une fois de plus. Ok, je vais chercher ici. D'accord. C'est une clé USB noire. D'accord. Où l'as-tu trouvé? Près de la télé. Juste là? Oui, mais il était en dessous de ça. Ah, oh, merci beaucoup. Ceci, je t'ai déjà presque... Y a-t-il un problème? Non, il n'y a aucun problème, monsieur. Je voulais juste vous dire merci pour tout. Merci pour votre amour, votre soutien. Merci infiniment. Joyce? Monsieur. Je te suis redevable. Monsieur, vous ne m'êtes pas redevable. Vous avez été gentil et incroyable envers moi. J'ai une confession à faire. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait à manger à ma mère ici la dernière fois. C'est ça la confession? Oui, monsieur. Tu as bien fait. Vraiment? Oui, en passant, comment va-t-elle? Elle va bien, elle vous envoie ses salutations. Merci de ne pas vous être fâché. Pourquoi est-ce que je me fâcherais? En réalité, elle a besoin de te voir de temps en temps. C'était bien. Je dois retourner au boulot. Merci. Le patron est vraiment beau. Et Tantine est très occupée. Le patron se soucie de moi. Il veut même renvoyer ce gardien inutile parce qu'il m'aime. Grâce. Non, je ne pense pas. Ou peut-être qu'il m'aime. Grâce. Je ne pense pas, oh.
Grace. Ma, bonjour. Je t'ai dit que tu allais commencer les cours demain, n'est-ce pas? Oui, madame. Bien. Quand tu auras fini ce que tu fais, retrouve-moi en bas. Je dois t'emmener pour acheter des vêtements. Vraiment? Oui. Oh, merci infiniment, madame. Non, non, c'est rien. Non, non, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Très bien. Quand tu auras fini, retrouve-moi en bas. Ok. Un instant, j'arrive. Qui est même celui qui frappe la porte comme un foulard? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez! Ah, t'en sais même toi? Tu sais depuis combien de temps je suis placée là? En quoi cela me concerne-t-il? Est-ce que c'est mon problème? Si c'est ton problème, oui. Refais-le encore, j'irai dire au patron. Pourquoi est-ce que je ne le referai pas? Après tout, tu n'es ni l'homme, ni la femme qui m'a amené ici. Pense que je sois ton gardien. Cornelius, oui? Je vais faire en sorte que le patron te renvoie. Je vais faire en sorte que le patron te renvoie. Opé, hey Wakata. Laisse-moi te dire, si tu comptes sur le patron, moi, Cornelius, je compte sur la patronne. Tu comptes sur la patronne, oui. Tu vas te faire renvoyer de cette maison, crois-moi sur parole. Laisse-moi te dire, comme tu sautes de haut en bas, n'essaie jamais de rapprocher tes pastèques là tout près de moi. Et comme tu le vois placé là, cet homme est affamé. En fait, il a soifé. Cornelius, oui. Qu'est-ce que tu viens de dire? Laisse-moi tranquille. Tu vas me violer, c'est ça? Moi? Violeur, tu vas aller en prison. Violeur! Mais calme-toi, mais attends, moi? Tu veux me violer? Tu m'as attrapé et j'ai dû, tu vois, veux, tu, te repousser. Tu veux encore me refaire, non, je t'ai juste poussé comme ça. Encore fait! À l'aide, patron! Mais attends, non! Grâce à toi, ce n'est pas ça! Ton nom, c'est grâce et tu es supposé m'accorder la grâce, non? Hein? C'est décidé. Je ne vais plus me laver les mains. Joyce? Joyce? Je n'aime pas quand tu me réveilles brusquement au milieu de la nuit. Je n'aime pas ça. Retire ta main, s'il te plaît. Oh, ah, mais arrête! Je suis fatiguée. Tu es fatiguée. Lovette, la nuit dernière, tu m'as dit que tu étais fatiguée. Cette nuit encore, tu es fatiguée. Hein? Quand allons-nous maintenant faire l'amour comme mari et femme? Oh. Et si quelqu'un t'entend parler, la personne pensera que je te prive de sexe. Nous avons fait l'amour le week-end, deux fois la semaine. Ah! Deux fois? Eh? Juste deux fois durant les sept jours que Dieu a créés. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Certaines personnes en font moins que ça. Une fois par mois, deux fois par mois. Une fois en trois mois. Certaines de mes amies, six mois. Et toi, tu es ici, tu l'as même deux fois par semaine, mais tu te plains toujours. Tu connais la nature de mon travail. Je vais aller au boulot, travailler. Rentrer à la maison, travailler encore. Tu le veux tous les jours. Et même si je dis ok qu'on le fasse, au moment où on le fera, tu ne voudras plus me lâcher. Tu voudras continuer. S'il te plaît, je suis fatiguée. Ok. La nature de ton travail, c'est ça? Je vois. Bonne arrivée, monsieur. Oui. Comment allez-vous, monsieur? Comment s'est passée la journée? Elle s'est bien passée. Comment vas-tu? Très bien, merci. Vous voulez quelque chose à boire? Non, je vais bien. S'il te plaît, apporte cette mallette en haut. D'accord, monsieur.
Qu'as-tu fait à manger? Du riz et de la sauce tomate. Grâce, c'est le moment pour toi de tenter ta chance et de dire au revoir à la pauvreté. Et s'il me rejetait? Eh bien, il n'y a pas de mal à essayer. Bébé? Grace? Non, ce n'est pas Grace, c'est moi. Tu vas bien? Lovette? Oui. Pourquoi tu l'as... Tu n'as même pas touché à ta nourriture. Oh, je suis rentré très fatigué, j'ai dû m'endormir. Je me suis endormi. Je pense aussi. Allons à l'étage pour que tu puisses te reposer. Tu vas bien? Oh, je vais bien. D'accord. Grace? Monsieur? Oh, désolé, je savais pas que tu t'habillais. Je t'attends dehors. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez entrer. J'ai presque fini. Bien, je voulais tout d'abord dire vraiment à quel point je suis désolé de ce qui s'est passé hier. Mon intention n'était pas de profiter de toi parce que tu vis ici. Je suis désolé. Ce n'est pas un problème. D'accord. Encore une chose. S'il te plaît, ne dis rien à ma femme. S'il te plaît, je t'en prie. Vous vous inquiétez trop. Je ne dirai rien, hein? D'accord. Par ailleurs, j'ai profité de chaque instant. Et je ne dirai pas non à ce qu'on le fasse. Vous comprenez? Ferme la porte. Oh, je pensais que vous étiez sur le point de partir. Wow. Wow. Je suis le PDG de mon entreprise. Je m'absente quand je veux. Chérie. Oui, je vais bien. C'est même ton coup de fil qui m'a réveillé, oui. Non, ne reviens pas. Je veux juste me reposer. J'ai pris mes médicaments, oui. Oui. Il y a quelqu'un? Oui, c'est la télévision. Oui. Oui, ok. T'inquiète pas, j'irai bien. D'accord? Désolée. Tu as attendu longtemps? Je suis affamé. Ok, je vais te chercher. Viens là, ne fais pas comme si tu ne connais pas de quoi je parle. Ok, alors, tu veux manger? Oh. Pourquoi n'as-tu pas fermé la porte? Bonjour, ma. Je ne savais pas que vous veniez. Ce n'est pas à propos de moi. Tu aurais dû fermer la porte avant de t'habiller. Cornelius aurait pu entrer et après, qu'est-ce que tu espères? Tu sais comment il se comporte. Je suis désolée, ma. Ça ne se reproduira plus. S'il te plaît, je t'en prie. Ce serait mieux d'éviter certaines choses. Est-ce que tu comprends? Oui, ma. Quand tu es seule, ferme la porte. Oui, ma. Ferme la porte. J'ai compris, ma. Tu m'as dit que tu avais besoin de combien pour tes livres? 3 000, ma. Ok, voici 3 500. Tu utiliseras 500 pour ton transport. Merci infiniment, ma. Ferme la porte. D'accord, ma. Prends la nourriture à la cuisine. Je ne pense pas que mon mari va manger. Mm-hmm. Sinon, Cornelius va manger. Cornelius?
Cornelius? Cornelius, quel est le problème? Bon après-midi, Sorette. Bon après-midi. Hein, Cornelius? Je t'observe depuis quelques jours. Tu es toujours de mauvaise humeur, triste ou dans ton coin. Qu'est-ce qu'il y a? Sorette, je ne peux pas parler de quoi que ce soit avec quelqu'un en ce moment. Je veux juste être seule. Cornelius, qu'est-ce qu'il y a? Comme si tu t'en souciais. Ah, pourquoi dis-tu cela? Quelque chose est arrivé? Serait pas, où vais-je commencer? Lequel vais-je compter? Vais-je compter les nombreuses insultes que je reçois fréquemment de toi et de ton mari, chaque jour qui passe? Ou bien lequel? Ok, à présent, regarde-moi. Regarde-moi, ne suis-je pas déjà assez vieux pour me marier? Malgré ça, je suis toujours seule. Et je suis celle qui t'empêche de te marier? Ou alors, je suis celle qui est censée trouver une femme pour toi? Je n'ai pas dit ça. Si, parce que tu viens juste de dire que mon mari et moi t'insultons. Cornelius, je pense même plutôt que c'est l'inverse. Hein? Écoute, je ne l'ai pas dit. Ok, très bien. Ok, d'accord, parlons maintenant de l'histoire de mariage. Je t'ai supplié plusieurs fois, comme un frère qui parle à sa sœur. Donne-moi, juste, donne-moi l'opportunité dans la nuit pour que je puisse me faufiler tout doucement hors de ce portail et me rassurer et faire en sorte que ton mari ne se doute de rien. Je veux juste me faufiler dans la nuit, puis sortir et ramener une fille de la rue. Ou alors, entrer dans n'importe quel club qui est proche et ramener soit une prostituée ou alors une fille facile. Laisse-moi commencer par là. S'arrête, mais tu as dit non. Cornelius. Cornelius. Les choses qui sortent de ta bouche me choquent. Ah ah. Donc, c'est ça le genre de vie que tu souhaites pour toi? Non. Comment est-ce que tu réfléchis? Hein? C'est que, oui. Non, Cornelius. Cornelius, tu veux prendre une prostituée comme épouse? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je devais commencer par là, au moins. De cette façon, et pour finir où? Voilà! Par exemple, là maintenant, mon objectif là maintenant, j'essaye de cibler toutes les filles de commissaires, ou même du président, ou encore des sénateurs. Mais c'est mieux que je commence par toutes ces filles faciles, pour savoir comment aborder une fille. Regarde-moi, je suis encore puceau. Laisse-moi commencer par là. Salut, tu vas bien? Regarde-moi, quel est ton nom? Tout ça, mais tu as dit non. De là, je saurai comment me lancer. Si je ne peux pas avoir une fille facile, comment est-ce que j'aurai cette fille qui coûte cher? Essaye de réfléchir avec ton frère. Cornelius. Et le pire, ce qui me fait le plus mal, c'est cette sorcière que nous avons. Oh, ferme-la. La ferme. Tu me déçois. Je ne sais même pas quoi te répondre. Donc, c'est la raison pour laquelle tu es de mauvaise humeur. Hein? Est-ce qu'on ne te paye pas? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Quoi? Tu veux commencer avec les prostituées et les filles faciles. Continue. Vierge. C'est très bien. Combien de filles as-tu engrosées au village? Serait-il été pas... Ferme-la! Je pensais même que tu avais un problème. C'est pour ça que je suis ici. Je ne sais même pas à quoi je pensais. Désolée. Cornelius. Continue. C'est pas à pas. Même celle-ci ne me laisse même pas la toucher. Comment vais-je alors migrer vers ces filles d'ambassadeurs et de sénateurs? Parce que ce sont elles mes cibles. C'est vrai que je cible toutes ces filles de président, mais je dois commencer avec les filles de la rue. Pour savoir comment aborder une fille. Salut, stop. Allez, viens. Je t'ai manqué. Oui, énormément. À quel point? Grâce. Qui t'a donné le droit d'entrer dans ma chambre comme ça? Grâce, quelle heure est-il à ta montre? Ce qui veut dire quoi? Je veux dire, à pareille heure, cet homme aurait dû avoir son petit déjeuner. C'est pour cela que tu entres dans ma chambre comme ça?
Grâce, ce n'est pas ce que je me dis. Je suis pas en train de parler de pourquoi ou comment. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'apparaît, tu aurais déjà dû me servir mon petit déjeuner. Connais-tu les conséquences de cet acte? Sais-tu que je peux t'accuser de viol? Grâce, laisse-moi te dire. Ne fais pas en sorte que cet homme déverse sa colère sur toi. Ça sera vraiment désastreux. Ce sera désastreux. Je t'assure. Je ne vais pas seulement t'accuser de viol, mais je vais m'assurer que le patron te renvoie. Qu'il te renvoie et qu'on te mette même en prison. Grâce, c'est déjà arrivé à ce niveau. Regarde cet homme et prends pitié. Cet homme est affamé. Cet homme peut mordre ou mâcher, s'il te plaît. Cornelius, dehors. Merci. Vas-tu apporter la nourriture? Tu réclames encore la nourriture. Désolé. Mets-toi dehors. Désolé, garde-la. Ok. Merci. Merci, chauffeur. Maman, bon après-midi. Tout ceci. Grâce. Oui, maman. Tout ça, c'est pour moi. Que tu as rapporté. C'est pour toi, maman. Seigneur Jésus, il n'y a que toi. Oh, merci. Merci, papa. Oh, ah, gloire à toi, maman. Seigneur. Merci. Oh, merci, mon Dieu. Oh, merci. Oh, ma fille. Oui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, maman. Maman, il y en aura plus haut. Le Seigneur s'est vraiment souvenu de nous. Oh, ma très chère. Maman. Je n'avais jamais pensé qu'un jour, j'aurais eu toutes ces choses dans ma vie. Vraiment. Maman, je vais t'acheter une voiture. Hein? 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 Toi? Non, pas moi. Tantine. Mais ce sera mon nom. Tu sais que c'est moi qui ai rendu toutes ces choses possibles. Hey! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toutes ces choses de cette famille? Hein? Oh mon Dieu, bénis cette femme et son mari pour moi. Que leur maison soit pleine d'enfants. Mon Dieu, merci. D'avoir fait en sorte qu'ils acceptent une pauvre veuve comme moi, en tant que leur mère. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, maman. Ah oui. C'est moi qui ai rendu toutes ces choses possibles. Je sais que tu es une enfant bénie. Oui, je le suis. Je vais continuer de te bénir. Amen, amen. Tu sais quoi? Je vais appeler ta tantine pour la remercier pour toutes ces choses. Non, non, maman, n'appelle pas. Je l'ai déjà remerciée de ta part. N'appelle pas, d'accord? Mais ce ne sera vraiment pas poli de ma part. Tu vis avec eux depuis si peu de temps. Et regarde tous ces cadeaux qu'ils m'ont fait. Ça sera très impoli de ma part si je ne remercie pas. Maman, tu n'as pas besoin de les appeler. À chaque fois que je viendrai te rendre visite, tu pourras danser, chanter. Tu pourras faire tout ce que tu veux. En fait, tu pourras faire ce repas spécial que tu as l'habitude de faire, d'accord? Celui que je t'ai fait la dernière fois, n'est-ce pas? Oui. Ok, pas de souci. Dès que nous aurons la maison, c'est exactement ce que je vais faire. Maman, quelle maison? Maman, cette maison-là, je vais t'offrir une belle maison, un appartement luxueux. Je vais louer ça pour toi. Maman, ne t'inquiète pas. Ah. Ma fille, je suis d'accord avec toi. Ça sera quand tu auras fini avec l'université. Oui, et que tu auras trouvé un bon travail. Oui. Je fais vite. Je dois partir acheter quelques petites choses. D'accord, maman. Juste là-bas. Ok, maman. Ha! Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Oh. À toi la gloire, mon Dieu. Merci, merci. Il faut que j'efface vite le numéro de tantine du téléphone de maman pour qu'elle ne puisse pas l'appeler. Vous y croyez? Elle ne pense pas que je puisse lui louer un appartement luxueux. Bébé. J'ai réfléchi. Tu réfléchissais sur quoi? Je vais démissionner de mon travail. Ah. Et pourquoi? Bébé, je sais que je n'ai pas rempli mes devoirs conjugaux. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas été là pour toi.
je ne t'accorde pas vraiment de l'attention. Je suis vraiment désolée pour cela. Ce travail a vraiment pris tout mon temps. Je dois démissionner. Bébé, je t'aime tellement. Et je suis prête à tout pour te rendre heureux. Bébé, je t'aime aussi, mais je te demande pas de quitter ton travail. Bébé, je sais que tu n'es pas heureux. Et j'ai besoin que tu sois heureux. Chérie, écoute, c'est vrai. Au départ, c'était pas facile pour moi de m'adapter. Mais après un moment, je me suis habitué. Bébé, je sais. Mais étant donné qu'on a besoin que Dieu nous donne un enfant et tout, je pense que nous devrions être ensemble. Chérie, ça va. Tu vois, le sexe 2 fois par semaine, ça me convient. Je ne me plains pas. Tu sais, j'ai promis de te donner 1 année et je suis prêt à patienter pendant 1 an. Tu es sûr? Ouais. Ça veut dire que tu es d'accord avec cela? T'inquiète pas. Merci. Chérie. Chérie. Alors, tu vas pas au travail? Comment est-ce que je peux aller au travail sans te voir? Vraiment? Alors, comment tu as passé la nuit? Elle était longue et ennuyante. Ma femme est partie au travail. Oh, alors qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Je te l'ai dit. Si j'étais au petit déjeuner, je peux passer toute la journée sans déjeuner. Donc, tu ne vas pas te rendre au travail? Bien. Si tu veux que je reste, je vais rester. Non, tu dois travailler. Non. Chérie, je suis le PDG de mon entreprise. Si je pars pour le travail, personne ne va me renvoyer. Veux-tu que j'aille ou pas? J'aimerais que tu restes. Je vais rester pour toi. Ok. Alors, en quoi puis-je t'aider? J'étais sur le point de faire la vaisselle. Ça te dirait de m'aider? Avec plaisir. Merci. Tu penses que je vais pas le faire? Mets-toi de côté, le grand Mike est en piste. Aïe, les hommes. Je souffre. Hein? Imaginez, 7 fois, ça fera la 4e fois aujourd'hui. C'est mieux que j'aille à l'intérieur. Que je sois à l'intérieur casse-vous. Ça recommence que je sois près des toilettes. Mais c'est quel genre de diarrhée ça? C'est quel genre de diarrhée? Apprenons du nouveau nakatora pune. Ça me dérangera pendant un petit moment où ça va s'arrêter. Je peux voir mon beau-frère. Je dois dire à mon beau-frère ce que je traverse. Pour qu'il me fasse voyager pour l'étranger, en Inde, ou aux États-Unis, pour une urgence d'ordre médical et un check-up. Avance, ça va aller un peu tout doucement. Aïe. Thank you.
que je représente pour toi. Tu n'es rien d'autre que l'amour de ma vie. Bébé. Oui. Tu n'as jamais pensé à faire de moi ta femme? Bébé, mon amour pour toi est réel. Ne parle pas d'amour, je te parle de nous et le fait d'avoir notre propre maison. Oh, tu n'es pas confortable ici. Dans ce camp, pas aller à l'hôtel. Je me suis dit que vu qu'elle sort, personne d'autre ne vient ici. C'est pas de cela dont il est question. Je te parle de vivre tous les deux ensemble. I thank you, Lord, you are holy, and forever you are God, and forever you are God. I thank you, Lord, you are holy, hallelujah, and forever you are God, and forever you are God. I thank you, Lord, you are holy, hallelujah, and forever you are God, and forever you are God. Mais t'approche pas de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Sourette, je rends juste gloire à Dieu. Alors, pourquoi cette agitation? Hey! Sorette, hein? Il y a quelques jours de cela, j'ai parlé à mon Dieu. Tu es qui, Dieu? Dieu, tu m'entends? Nous devons avoir cette conversation, ce dialogue, dans ma âme. Respecte-moi et je te respecterai. Seigneur, montre à mes ennemis qui sont dans cette maison, dans cette concession, que tu restes Dieu et tu es toujours Dieu. Imagine au moment où je te parle. Donne-moi juste quelques jours et tu verras le miracle. En fait, tu as répondu à ma prière. Donne-moi quelques jours et tu verras le miracle de Dieu dans ma vie. Waouh! Oui! Ton Dieu est vraiment, vraiment puissant. Je t'assure, hein? Alors, Cornelius, qui sont ces ennemis que tu as dans cette maison? J'ai dit dans cette maison? C'est mon mari ou c'est moi? Non! Non, j'utilise cette maison comme lien direct avec notre village. Et tu sais que dans notre village, il y a trop de malheur. Cornelius. Sorette. Je ne veux entendre aucun bruit dans cette maison. Ce n'est pas du bruit, c'est... Tais-toi et retourne à ton poste. D'accord. J'y vais. Comment peut-elle me demander de l'épouser? J'ai une femme. Comment est-ce que Lovett va réagir si elle apprenait ça? Et d'un autre côté, je ne peux pas me permettre de perdre cette fille. Oh Dieu. J'ai besoin d'être guidé. Beau-frère, qu'est-ce que c'est encore, hein? Pourquoi tu me cries après? Attends, mon beau, relax. Quoi? J'ai dit calme-toi, relax. C'est à moi que tu fais ça. Écoute, beau-frère. Écoute-moi, si tu n'as rien d'important à me dire, t'as qu'à retourner à ton poste, ok? Beau-frère, qu'as-tu acheté pour moi? Quelque chose comme des biscuits, des gâteaux ou du yaourt? Qu'est-ce que j'ai acheté pour toi? Je te l'ai déjà dit, oui. Beau-frère, c'est ton devoir et c'est mon devoir. Tu es censé m'acheter quelque chose en rentrant à la maison. Et tu cries comme si. Regarde la manière dont tu m'écris même. Hein? Si à moi que tu t'adresses,
Qui es-tu? Que penses-tu représenter? Hein? Oui! Tu n'es rien d'autre qu'un pauvre frère ordinaire! Attends! Et donc tu voudrais que j'aie peur de toi? Bah, ce n'est pas possible! Si tu savais ce que cet homme représente, si tu savais ce que cet homme ici est capable de faire, tu es celui qui devrait avoir peur de moi! Peur de moi! Dis-lui, c'est à moi que tu parles ici! Qui es-tu? Que penses-tu être? Que penses-tu représenter? Qui suis-je? Relax, s'il te plaît! Tu sais quoi, assez? Tu quittes ma maison de loin dès la première heure. J'en ai fini avec toutes ces bêtises. Cette arrogance et cette insolence avec tes stupides blagues. J'en ai terminé avec... Écoute, je m'en fous de ce que ta sœur va dire ou même ta famille. J'en ai fini avec toi. Ça va terminer. Reviens, laisse-moi te dire. Viens. Tu vois cette massue que tu viens de lâcher? Je vais la frapper sur ta tête maintenant. Attends. Quand tu auras fini de voir cette vidéo... Qu'est-ce que c'est? Relax. Tu sauras de quoi je suis en train de parler. Bon frère, regarde. Oh doux Jésus. Oui. Cornelius. Oui. Comment tu as vu cette vidéo? Tu essayes encore de me toucher. Tu vas. Est-ce que tu as vu ça? Ne te dérange pas. Cette question maintenant, je l'adore. Réserve-la pour toi. Au moment où je serai avec ma sœur. En ce moment, tu pourras me poser cette question. Et volontairement, je te donnerai la réponse. Tu penses que tu es rusé? Tu es trop égoïste! La seule nourriture qui était faite pour moi! Tu y allais y mettre les doigts et tu t'emparais de la nourriture! Tu penses tout avoir pour toi seul! Cornelius, c'est bon, calme-toi! Donc à présent, c'est de cette façon que tu te comportes? Maintenant, ramasse ta mallette! Je dis, tu es sourd? Ramasse ta mallette! Baisse-toi et ramasse-la! Bien! Tourne-toi et va dans ta chambre! Cornelius. Et tu es encore en train de parler? Tourne-toi, ce n'est pas le temps pour toi maintenant. Tourne-toi. Maintenant avance. Qu'est-ce que tu attends encore? Vas-y. Quand ça sera le moment, je vais t'appeler, tu sors. Oh. Aïe. Le pouvoir. Oh, pas étonnant que ces personnes se tuent entre elles à cause du pouvoir. Ramasse ta mallette. Va à l'intérieur. Animal.